Je crois que je vais pas très bien. Je suis fatiguée, je pleure beaucoup aussi. Je sais pas. Oui, reposez-vous, faites un peu de sport. Prenez un peu de magnésium aussi. C'est qu'un petit coup de mou, c'est sans doute pas très grave. Puis vous êtes une femme, vous êtes davantage sujette aux dérèglements hormonaux. C'est normal. Bref, il m'a dit que c'était top et que c'est moi qui allais m'occuper de la campagne. T'imagines? Bah ouais, c'est super ça, carrément. Tu m'écoutais pas en fait. Ça va toujours pas mieux toi, hein? T'as dit quoi le médecin? Sinon, il m'a dit que oui, c'était un petit coup de mou, voilà, et il m'a prescrit du fer et du magnésium. C'est pas l'issue de ta rupture? Ça fait un moment maintenant? Oui, non, attends, non. Bon, allez, faut se ressaisir là, ça fait des semaines que t'es comme ça, toute molle. Si ça continue, je vais te traîner à la salle de sport et te planter sur un stepper. Oula, manquerait plus que ça. Bon, allez, faut que j'y aille. On s'appelle? Bah ouais, carrément. Ouais. Bisous. Quand est-ce que je m'endors, bordel? Ah bah, pas tout de suite, ma chérie. Ça fait seulement 4 heures qu'on est ensemble. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'amuses pas avec ta copine insomnie? Hein? Moi, je trouve qu'on pourrait papoter encore des heures et des heures. Non? Bon. Vas-y, endors-toi. De toute façon, il y a ton réveil qui sonne dans 2 heures. Ça va piquer, hein? Bonne journée. Et à ce soir surtout. Tu réalises ce que tu provoques, tu fais n'importe quoi. Cet homme a créé son entreprise et toi tu fous en l'air ce qu'il a mis des années à construire. Et oh, la culpabilité là, ça va, hein? Le travail, la carrière. Oh, on s'en fout un peu, non? C'est quoi l'intérêt? Volontairement, ils ont fait le choix de ne pas t'inviter pour passer du bon temps sans toi. Ouais, mais ça se comprend, t'es d'un chiant. Non mais c'est vrai, regarde-toi. On n'a pas vraiment envie de te côtoyer, hein. T'es pas drôle, t'es pas intéressante. Normal qu'on t'évite, hein. Ah, bonjour Tristesse. Eh ben je te la laisse, elle est toute à toi. Voilà, pleure, c'est ça, c'est bien. Je suis là, moi. Ouais, c'est bien. Ouais, continue. C'est bien. Voilà. Ouais, ma Céline, c'est moi. C'est pour te proposer une expo ce soir. C'est une rétrospective sur Tim Burton. Je sais que tu l'adores. Donc si là encore tu me dis non, je comprends plus rien. Allez, des bisous. Elle, ça a l'air cool, mais... Ça veut dire se lever, se préparer, y aller. Oh, laisse tomber, on n'a pas le courage pour ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah ben quand même, enfin tu t'interroges. Vous êtes qui, vous? Ben je suis Queen Dee, Queen Depression. Queen Dépression, si tu préfères.
Je suis la tenancière d'une maison très fréquentée qui ne connaît pas la crise. Au contraire, elle l'entretient. Je suis la responsable d'un beau bordel, au sens propre comme au figuré. Dis donc, t'es une dure à cuire, toi. Il a fallu que je t'envoie pas mal de mes filles pour que tu commences à te poser des questions. Je comprends pas. Mais mes gamines, là, ça fait depuis combien de temps qu'elles t'ont pas lâché? Ça fait 3-4 mois qu'elles se relaient, comme Marc Raquille aux 400 mètres. Manque d'estime de soi, culpabilité, désintérêt, apathie et insomnie. Ah, oh, je l'adore, celle-là. Ah, belle petite. Bel avenir. Non, mais moi, je suis pas en dépression. Ah, déni. C'est pas de la maison, ça. Tu vis avec de ton plein gré. Enfin, c'est surtout le petit cadeau que la société vous offre. Dans un monde où il faut être de plus en plus compétitif, performant, avoir le sourire, être en forme, montrer qu'on est heureux tout le temps, c'est pas évident. Enfin, depuis l'invention des réseaux sociaux... Ah, ben l'invention, ça fait tourner la boutique. Ça balance du rêve, fictif. Ouais. Alors évidemment, dans tout ça, c'est pas évident de se rendre compte qu'on va pas très bien. On est dans le déni, on occulte, et hop, c'est là que nous on intervient. C'est n'importe quoi. Tu peux te renseigner. Tu verras que ce que je dis est vrai. Le problème, c'est que quand tu peux me voir, c'est déjà trop tard. I'm in your life. C'était une bonne initiative d'aller voir un toubib. Encore faut-il aller voir le bon. Non mais c'est vrai, ils sont dépassés, débordés. Toujours plus de patients à soigner. Il faut pas croire. Tous médecins qui sont, c'est des gros clients de la maison. Ils sont souvent à bout, eux aussi. Et puis une jeune femme comme toi, avec un boulot, des amis, ça peut pas aller mal, c'est ce qu'on dit, hein? Mais ne t'en fais pas. Avec moi, tu n'as plus besoin de te battre, de lutter. Maintenant que je suis là, je m'occupe de tout. C'est pas possible. Mais si. Tu le sais bien. La seule qui est là pour toi, c'est moi. Allez. Tu décroches là, ça fait plus de 3 semaines que tu réponds plus à mes messages, que tu donnes plus de nouvelles. J'ai appris que t'allais plus au boulot, je commence vraiment à m'inquiéter. Rappelle putain. Oh, mais qui vient interrompre nos passionnantes activités? Bonne copine, comme si ça pouvait changer quelque chose. Allez, prends ton manteau, je t'emmène quelque part. Si, si. Allez, ma biche. Mais non, mais n'y va pas, non, mais ça va pas. Non, mais laissez les filles, je sais être charitable. Laissez-la prendre son bol d'air, même avec 2 tartines, si ça lui fait plaisir. Elle va réaliser que même dehors, le monde est aussi terne qu'à l'intérieur. Oh, mais taisez-vous là-bas, allons! Bon, les filles, un petit karaoké, ça vous tente? J'ai dégoté une compile des 100 plus belles musiques déprimantes. Alors, moi, je sais pas tellement bien chanter. Oh, alors je crois qu'elle m'aime pas. Bonjour. Céline, je te présente le docteur Lancio. Je me suis permis de la contacter pour toi et je pense qu'elle peut vraiment t'aider. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse. Asseyez-vous. On va voir ensemble ce qui se passe. Sa chanson, son chagrin l'a volé au canot, et elle tourne sur ta stéréo, dans la nuit quand tu as le cœur gros. Ça prend du temps, mais on s'en sort. Sa chanson, c'est l'adieu qui n'a pas su lui dire. Ce souvenir. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Tout est enfermé, là. Il faut juste trouver la clé. Allez, on a réussi. On y a toujours cru au fond, on a eu raison. Allez, on y va. On est resté enfermé bien trop longtemps. Et moi, je suis là pour vous aider. Vous pouvez y croire. Vous devez y croire.
On chante quoi maintenant? Je vous propose un petit Jacques Brel. Ne me quitte pas. Je ne vais pas très bien. Les filles, on changerait pas un peu la playlist? Oh, les filles, mais quelle surprise! Comment ça va? On est de retour. Exactement. Comme le dit Volonté, on est de retour. Oui, calme-toi un peu, optimisme, hein, te fais pas mal. C'est bon? Vous pouvez partir? On prend le relais. Oh, qu'elles sont mignonnes! Vous les avez vues, là, espoir, volonté, joie, optimisme. Elles sont là, elles veulent se battre, avec leurs petits poings, là. On est heureux, on est heureux, on est heureux, on est heureux. Mais ça prendra pas, vous êtes trop faibles. En revanche, après, je vais peut-être appeler Désillusion. Salut. Amour de soi, on se voit pas assez souvent. C'est vrai. Mais quand on me cherche, on finit toujours par me trouver. Tu devrais le savoir depuis le temps, non? Alors, un petit conseil avant que je m'énerve. Ça dégage. Non, mais attends, on peut se mettre d'accord, on peut trouver un arrangement, une colocation, une cohabitation, un... Dehors. Ça va être très compliqué pour toi, hein? Mm-hmm. Le monde n'est pas en ta faveur. Il va falloir te battre pour te faire entendre. Peut-être. Mais en attendant, j'ai bien l'intention de te faire taire. Bien. Bien. Vous pouvez nous chasser, on n'est jamais très loin. C'est ce qu'on verra. Allez. Zou. On y va, les filles. Ah, pas trop près. Oh. On se revoit la semaine prochaine. C'est nous qui décidons de partir, hein. C'est pas vous qui nous mettez dehors. Oui, c'est ça. Oui, allez, si. Allez, bah, attendez. Oui. Aïe. Bon. Maintenant, un grand ménage en profondeur nous attend. Mais... on est prêtes? Allez, c'est parti. Tout va mieux se passer maintenant. D'accord ?